Bonjour, aujourd'hui on va parler des imprimés. Alors c'est très tendance cet été, il y en aura partout, du fleuri à l'hawaïen, en passant par le damier, les pois. Bref, l'imprimé. Maintenant, c'est pas hyper simple de gérer l'imprimé. Pourquoi ? Parce que ça grossit. Et en fait, la vraie astuce, c'est que plus l'imprimé a des motifs très gros et très contrastés dans des couleurs très claires et en même temps très foncées, plus ça va grossir la silhouette. Par contre, plus vous êtes sur des camaïeux de couleurs, ton sur ton ou avec des motifs très très fins, là, on va avoir quand même tendance à amincir la silhouette. Donc par exemple, sur ce look-là où l'imprimé est quand même très fort, vous avez deux solutions. Soit, comme c'est l'été, vous la portez sans petite veste, sans rien du tout. Donc du coup, la robe est très simple à porter parce que vous ne coupez pas la silhouette en deux avec un haut et un bas. Donc du coup, la robe élance la silhouette, très féminine. Du coup, vous la portez sans rien et l'imprimé, là, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez rajouter la petite veste, donc ici saharienne, cintrée, dans une couleur un peu neutre. Là, j'ai choisi dans un ton assez naturel. Pour les chaussures, pour rappeler la couleur du daim, on a choisi des petits compensés bois et un côté sandale pour être très féminin avec la petite robe. Donc maintenant, pour le look numéro 2, on va parler du pantalon imprimé. En plus, je l'ai choisi irisé, je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir le porter. Alors le pantalon imprimé, donc là je vous ai pris un pantalon imprimé et en plus irisé. Donc là on est sur quelque chose de vraiment pas facile à porter. Pour ça, vous le choisissez vraiment adapté à votre morphologie. Si vous êtes un peu ronde, pas de passant et une forme un petit peu droite. Vous pouvez aussi le prendre 7/8 un petit peu court pour dévoiler la cheville. Pour rester dans un effet où on essaye d'allonger la silhouette vu qu'il y a un imprimé, moi j'ai choisi des chaussures qui sont dans la continuité du pantalon, des chaussures nude. Voilà, donc comme ça on continue à élancer la silhouette. Pour le haut, une chemise en jean. Pourquoi en jean? Parce que ça réveille un petit peu, ça modernise le look. Mais en même temps, ça apaise aussi l'effet de l'imprimé. Vous pouvez aussi, vu qu'il y a un camaïeu là de ton, vous ne voyez peut-être pas à la caméra, mais dans le pantalon, il y a un petit peu de rose. Vous pouvez à la place de la veste en jean avoir un petit t-shirt, col V pour le côté féminin. Voilà, rose, faut assumer, c'est très féminin. Donc voilà, c'était les petits conseils, les deux petits looks pour vous aider à porter et à assumer cette tendance de l'imprimer.